On revient dans la région avec, vous l'avez entendu au début de ce journal, Martine Aubry. Elle a tenu aujourd'hui sa cérémonie annuelle de vœux à la presse. Depuis quelques mois, la maire de Lille joue sur la discrétion. Elle n'a pas souhaité s'exprimer sur plusieurs sujets, comme le cumul des mandats. En revanche, elle a répondu à une question concernant les Roms dans la métropole lilloise, en appelant l'État à prendre ses responsabilités. J'ai redemandé ce que nous demandons depuis maintenant 6 mois, c'est qu'il y ait non pas le démantèlement des grands, mais qu'on trouve des solutions pour reclasser et retrouver un campement digne de ce nom à ces personnes qui vivent dans des conditions considérablement dramatiques, je le dis. Et nous avons dit, nous, communauté urbaine, nous sommes prêts à garder 1500 Roms dans de bonnes conditions dans notre métropole. 10% de la France, c'est pas rien, mais nous souhaitons que les 10 autres % qui sont là aujourd'hui puissent être recevoir la solidarité d'autres grandes villes dans notre région ou ailleurs. Voilà, et ça c'est le rôle de l'État. Martine Aubry a également insisté sur la montée des trafics en tout genre. On a parlé notamment des vols de câbles du côté de l'île Sud. Elle a demandé pour ça un renfort policier.